Bonjour à tous et à toutes, c'est Voté pour moi, je suis en compagnie de Stanislas97 pour cette vidéo. Salut, salut. Alors, donc, un gameplay, notre premier gameplay sur MW3, désolé, un peu tard. Notre premier gameplay sur MW3, qui date d'il y a... Longtemps. Voilà, au moins 3 semaines. Toujours mes problèmes d'internet, et c'est un peu compliqué, et puis voilà. Donc là, voilà, j'aurais pu faire le full team, j'en ai eu qu'un seul. Donc, je joue à la P90 viseur laser. Donc, accessoire, viseur laser silencieux, je crois. Et alors, attends, je joue avec quoi comme atout? Bah, attends, on va voir comme je vais mourir. Non, je ne vois absolument pas. Bah, il y a tireur d'élite, passe-passe, et le dernier. Même pas science de mort, j'ai beaucoup d'assistance. Je ne sais pas. Ok. Bon, voilà. Alors, on voulait vous parler de. Vraiment. Ah voilà, donc du tournoi Code Tournament. Alors, c'est assez compliqué, donc on va commencer par le début, bien sûr. Ok, merci. Alors bon, voilà. Non, on cherchait quelques matchs de team. Bon, il y a peu de teams pour ne pas dire aucune. Se sont manifestés personne nous a envoyé le message pour faire le match de team, donc nous on a cherché sur un site internet et en fait on trouvait pas, et puis j'ai fait des parties en ligne avec des gars qui m'ont marqué, qui m'ont invité en partie privée, et ils m'ont dit est-ce que je veux faire du code tournament. Donc c'est là que j'ai appris l'existence de site, et on a décidé de mettre la DRTX dessus. Donc en fait c'est des tournois Call of, enfin des game battle, ouais, ouais, voilà, des game battle Call of de team, et puis il y a aussi des tournois. Ouais. Mais il faut aussi savoir que, enfin, ça a rien de vraiment officiel. C'est surtout pour, c'est pas un truc, on est tout, enfin, c'est pas un site comme le Call of Duty Elite, quoi. Ça reste sauf si on commence à avoir un gros niveau. Il y a des teams qui sont quand même arbitrés, enfin voilà. Mais quand on commence, évidemment, non. Après, ce que je trouve bien, c'est qu'il y a quand même pas mal de fair play. Ouais. Bon, sauf la dernière fois, ça, elle est tombée ça, par campeurs. Exemple, c'est pas comme les Français que vous voyez en ligne qui font eux, et Karim, eux, voilà. Et qui parlent, enfin, on va pas dire non, mais français, non, c'est pas ça, c'est juste qu'ils, voilà, ils font un peu chier. Et donc, pas beaucoup de rage, vraiment... franchement. Ouais, voilà. Et franchement, c'est une bonne ambiance, quoi. Ouais, bon, on se marre bien. On s'est bien démonté de temps en temps. On a fait notre première victoire il y a pas longtemps. Bon, nos stats sont pas. On doit être à deux défaites. Ils sont pas très honorables, ouais, un truc comme ça. Mais bon, on va en faire d'autres, hein. On vient de commencer, on est habitué. Ouais, voilà. Bah, voilà, c'est sympa. Si jamais, ouais, voilà, si jamais vous voulez faire des, si vous avez une team et vous voulez faire des matchs contre nous, bah vous irez sur le site qu'on vous mettra dans la description, bien sûr. Ouais, exactement. Et donc vous inscrivez avec votre team, etc. Vous cherchez des RTX, donc vous trouverez sur. Et donc on s'est créé des nouveaux comptes. Alors, on s'est remis principalement à Black Ops. Ouais, pourquoi donc... Parce que après avoir fait quelques bonnes parties sur MW3, on s'est dit bon, un petit retour sur Black Ops. Et franchement, on l'a bien aimé. Enfin, en tout cas, moi et Billy, on s'est bien remis. Stan aussi, d'ailleurs. Ah ouais, bien sûr. Là, on a fait du snipe, c'était pas mal. Ah ouais, on s'est vraiment bien marré. On commence vraiment, enfin, moi je commence à un peu élever mon niveau puisque j'étais surtout habitué à MW2 puisque j'étais vraiment un trickshotter à la base. Et. Enfin, voilà, mais donc c'est pas mal. Donc, on s'est créé des nouveaux comptes spéciaux code tournament. Où on ne passera pas les prestiges, on vous mettra peut-être des vidéos de game battle, on verra, mais c'est principalement donc R&D 2v2 puisque pour l'instant les autres membres de la team ne s'intéressent pas encore beaucoup à Code Tournament, donc 2v2 et éventuellement 3v3 si Billy s'y met. Voilà, donc le gameplay, j'en suis où là? Donc je suis en série. Voilà, donc là vous voyez le principe de tireur d'élite qui permet de voir de très loin, et c'est vrai que même avec une arme comme la P90 qui est pas hyper précise et tout, si on tire coup par coup d'aussi loin grâce à tireur d'élite, on peut facilement faire des kills. C'est surtout un atout utilisé par les snipers pour les kill feeders, voilà, précisément, aussi. Donc qui joue beaucoup. Donc je sais pas ce que vous en pensez de MW3, moi personnellement j'aime pas trop. Hein. Moi j'aime bien le sniper, je suis plus à 118. MW2 mais... reste quand même le meilleur que si vous voulez. On verra. Enfin, pour moi, après, bon, je sais que pour Paul, ce sera. Pas forcément, j'aime bien MW2, mais beaucoup trop d'armes de noobs, je trouve. C'est vrai qu'on tombe sur beaucoup de noobs. Les commandos, c'est vraiment dérangeant.
Après le snipe, c'est vrai que c'est sûrement plus enfin, facile. Enfin, moi je mais vais commando pro, mais surtout pour les trips. Oui, voilà, Enfin, la voilà. triche. Après, MW3, j'aime bien, mais le problème, c'est vraiment. Donc, c'était ce petit temps, mais ils l'ont enlevé là, ce petit temps de Ouais, mais décalage. même, Et puis, il y a plein de facteurs qui rentrent en c'est vrai compte. qu'on meurt très vite quand Ouais, même. voilà. Et pour les joueurs de snipe comme nous, franchement, c'est compliqué. Comme Mais... nous, Non, comme franchement, nous. je joue beaucoup plus au snipe qu'à la mitraillette sur MW3. Bon, sur Black Ops, je joue pas beaucoup au snipe. Et donc, c'est vrai que c'est chiant parce qu'on arrive devant un gars, bon, on a une chance quoi. Après, c'est pas comme sur MW2 où on peut éventuellement s'allonger, retenter un coup de scope. Non, non, là, si on se prend deux balles, c'est fini. Ouais, c'est Après, sûr. type 95, on a l'impression de se faire sniper quoi. Donc... Ouais, la type 95, alors là, une rafale, t'es à terre, tu comprends pas, tu regardes la killcam, tu crois que c'est un snipe, et là, tu vois une sale arme d'un gros noob, type 95, genre laser silencieux, voilà Enfin bon, quoi. ce qui est pas mal, c'est justement que tournament, donc il y a des restrictions Ouais, et que voilà, ça donc les ils restrictions, interdisent donc toutes les les armes armes. de noob, même s'il y a des armes que je trouve pas trop noob, qu'ils interdisent, je comprends pas trop pourquoi, mais bon. Comme lesquels? Bah, par exemple, sur Black Ops, ils interdisent la FAMAS. Ouais, oui, le FAMAS. Personnellement, On oui, dit infâme. on ne sait pas. On ne Mais sait pas, on ne ah, sait pas, double genre. meurtre. Mais ils interdisent le FAMAS et Log parce qu'elles ont une cadence de tir vraiment abusée. Et franchement, c'est. Je comprends pas aussi qu'ils n'interdisent pas la MP5K parce que pour moi, bon, heureusement, il n'y a pas tir rapide. MP5K. MP5K tir rapide, je te jure que c'est vraiment cheaté. Enfin bon, je sais pas, pour les connaisseurs de Black Ops, vous me direz ce que vous en pensez, hein, mais pour moi, FAMAS, Hog, MP5K et KU, tout ça c'est un peu cheaté, je trouve. Mais je Ah trouve ça non, bien que Log, les j'aime pas. joueurs jouent beaucoup avec Commando, Galil, et AK-47 qui sont des armes franchement bien et avec lesquelles enfin on meurt pas trop vite, ni enfin je trouve ça bien quand même. Enfin voilà. C'est bien. Non, je trouve ça bien parce que c'est vrai que ça fait du bien de pas faire des séries et puis te faire buter par un AKU tir rapide, tu vois, à 500 mètres. Ah non, non, mais c'est sûr, j'ai pas dit le contraire. Mais ouais, voilà. Franchement, code tournament, t'es essayé, hein. Bon, si vous avez pas de team. Si vous avez pas de team, vous Trouvez-vous pouvez. une team? Non, Oh mon Dieu! Si vous avez pas de team, bah écoutez, bah voilà, bah, vous n'avez pas d'amis. Bah excuse-moi. faites-vous des amis, je sais pas, vous. Vous allez à l'école, faut acheter une PS3, voilà, c'est tout. Ouais. Et d'ailleurs, grand débat toujours avec mes potes Xbox PS3, parce qu'on a des amis qui sont sur Mettez Xbox. vos amis, mais mettez Dédicace. vos amis, mettez vos avis dans les commentaires. Dans les commentaires, pour moi, la PS3 reste devant. Pourquoi? Parce Donc que. reviens un peu sur le gameplay Alors, là, gameplay, donc mob. Voilà, la mob. Un petit gameplay de mob parce que bon, on en fait tous les jours, hein, vous c'était ma savez. première. Et... Non, j'en fais tous les jours. Non, c'était ma première et j'étais LOL! vraiment Énorme content. blague! Lol. Et Je j'étais n'ai vraiment jamais fait de content. truc jaloux de ma En parlant vie. de mob, mob, mob. MOAB. Arrêtez de la faire en infecté. Bon, on l'a tous fait une fois, ok. Mais stop. Je veux dire, tu le fais une fois, tu le fais pas 1000 fois. Arrêtez Arrêtez de ça. booster! Non, mais. Paul l'a fait, puisqu'il s'est Je l'ai fait tellement une pas fois. joué pour AMW2, il fait genre, ouais, je vais emmener général N'importe blablabla, quoi, mais n'importe quoi. c'est tellement pas joué J'étais au jeune et snipe. insouciant. Non, maintenant ça va. Ouais, d'accord. Mais c'est vrai que mes débuts MW2 étaient compliqués parce que quand t'es habitué à Black Ops et que t'arrives sur MW2, ça change tout. Enfin bon. Non, Voilà, mais. donc en tout cas, donc on vous a pas mal parlé. Merci pour les 300 abonnés, parce Ah, que ouais, avec voilà, une c'est surtout vidéo là, ouais. tous les 5 mois, on est Ouais, plutôt donc là, content. on a vraiment pas géré, on va vraiment essayer de se rattraper. On est encore désolé, je sais qu'il y en a beaucoup qui font, ouais, c'est une vidéo tous les 1 an ici, petite dédicace à Gaël. Voilà, Et, mais on va se grouiller puisque c'est bientôt fini, je ouais, crois. c'est bientôt fini. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on a à dire? Bah encore merci pour les 300 abonnés. Continuez à liker nos vidéos. Éventuellement des vidéos FIFA, parce que je m'y mets beaucoup en ce moment. Si vous aimez Ultimate Team, vous pouvez nous le dire. Et Donc, puis... moi je suis un gros footeux, mais genre vraiment gros footeux. Et j'aime vraiment pas les jeux de foot. Enfin, j'aime vraiment pas, c'est-à-dire que les jeux de FIFA pour moi c'est fait pour déconner entre potes et pendant une soirée. Et sinon, Ultimate Team et tout, enfin voilà, ça Mais me. franchement, pour ceux qui s'intéressent, je suis là. Moi, je fais des échanges si vous voulez. Enfin, j'ai une équipe only brésilienne, pas mal. Bon, écoutez, c'est bientôt fini. On va vous laisser admirer le gameplay. On va vous mettre deux liens pour vous abonner à la chaîne et pour Voilà, on liker vous notre page mettra nos Facebook. noms des nouveaux comptes. On acceptera quelques personnes, parce qu'il y en a Voilà, beaucoup qui font « Je pas peux faire un toutes. zombie, je peux faire un zombie, je peux Voilà, faire un pas toutes, zombie, mais là, n'oubliez pas que si on vous accepte, ne nous invitez pas tout le temps à jouer parce que c'est un peu galère. là. » Ouais. Enfin voilà. En tout cas, merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Un petit pouce vert, pouce bleu, pouce rouge, tout ce que vous Voilà. voulez. Non, pas pouce Et rouge. surtout, n'oubliez pas de voter Gollum à la présidentielle 2012, hein. Ok, merci Stan. Abonnez-vous Énorme et likez blague! page Facebook. Pouce vert.
Et en plus, Et continuez on fait à du plagiat regarder. sur DigiLeaks. Et continuez à regarder nos Bon vidéos. appétit, burger! Allez, bye tout le monde!